1993, le programme Jeunes Patrouilleurs de rue de la Maison d'Haïti recevait une subvention fédérale afin d'aider les jeunes à sortir des gangs de rue et à ne pas y graviter. Le 21 mai 2013, une décision émanant du bureau de la ministre des Ressources humaines informait la Maison d'Haïti d'un rejet de la demande alors qu'elle était recommandée par le fonctionnaire. Pourquoi la ministre des Ressources humaines a-t-elle rejeté cette demande d'un fleuron important en prévention du crime dans Saint-Michel et dans Montréal? Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas me prononcer sur une demande précise, mais j'encourage toutes les organisations qui offrent des programmes sociaux à présenter une demande au sein du ministère. Nous aidons tout le monde un peu partout au pays et voilà pourquoi nous avons vu qu'il y a 55 000 nouveaux jeunes qui ont trouvé du travail au cours du dernier mois.